Son nom fait autorité dans le secteur de la presse au Cameroun. Directeur de la publication du quotidien Le Jour, enseignant de journalisme, éditeur, président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. Aman Mana a troqué ses multiples casquettes le temps d'une journée pour se livrer à Travelling. Ce sera dans le gros plan. Pas de matinale sans elle, présente dans la majorité d'émissions d'information. Les revues de presse sont de plus en plus présentes sur nos chaînes de télé et de radio. Pourquoi cet engouement? Respecte-t-elle toujours les canons du métier? Nous avons mené l'enquête. C'est un rendez-vous majeur à la radio. Il est Parole d'Évangile. Le journal de 13h du poste national de la CRTV est une institution dont nous avons percé le mystère. Le journal de vendredi, c'était une catastrophe. Le DG nous a, il a, comment on dit au quartier, il a notre quoi? Macabou. Au cœur du 13h, reportage exclusif. À suivre. L'information sur Internet tient à un clic. Mais derrière cette facilité d'accès se cache pourtant un métier, celui de rédacteur web. Qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi? On vous dira tout dans les 5 Q. En fin d'émission, rendez-vous avec le zapping. Alors, ne zappez pas. Travelling, c'est tout de suite. 3, 2, 1, ça tourne. Bienvenue à Travelling. Notre voyage dans le monde des médias s'ouvre sur un phénomène devenu incontournable dans nos émissions de télé et de radio, les revues de presse. Pourquoi cet engouement autour de ces rubriques devenues populaires mais controversées? Romuald Akowazoe et Brice Fotso ont mené l'enquête. Dans les colonnes de mutation ce matin. Qui semble... Exposition des titres qui accrochent. Qu'est-ce qui attend finalement sur le plan de la législation, les auteurs... Démonstration d'une actualité qui fait vendre. Il faut sauver la filière avicole. Bonjour, en matière de lutte... Bienvenue dans les revues de presse audiovisuelles camerounaises. Leur moment privilégié, les débats du dimanche et les émissions matinales. Comment ces revues de presse sont-elles pratiquées? Respectent-elles toujours les normes? Quels en sont les effets? Enquête sur un genre journalistique qui parle beaucoup et qui fait beaucoup parler de lui. Delphine Foncou ne dort pas beaucoup en semaine. Comme la plupart des journalistes chargés de la revue de presse, sa préparation débute bien avant le lever du soleil. Je me lève à 4 heures du matin. Donc quand je me lève, je fais ma toilette et puis le chauffeur vient me chercher, bien évidemment. Donc je me trouve à Canal 2 dans les cours de 4h30. Et puis quand j'arrive, une fois arrivé, je récupère d'abord tous les hebdomadaires, la plupart qui sont arrivés en soirée ou bien même pendant la nuit. Je les traite en fonction, n'est-ce pas, des thèmes, des thématiques, des sujets intéressants. Et c'est comme ça qu'on est parti jusqu'à ce que 7h30 nous trouvons en bas. Et puis, le plus souvent, il faut le dire, nous allons à un studio en courant. Bienvenue à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse. 1000 sacrifices pour un objectif, satisfaire un public exigeant, pouvant zapper à tout moment. Défi actuel nous livre ce matin la méthode de Philémon Yan face à la crise anglophone. Face à près de 300 journaux enregistrés officiellement, les radios et les télévisions camerounaises ne manquent pas de matière dans leurs revues de presse, devenues des mini-programmes de grande écoute. Elle est capitale hein, parce qu'elle intervient à 9h dans l'émission très écoutée Magic Attitude. Cameroun Tribune revient ce matin sur les moments forts. Elle permet aux auditeurs hein, de mieux appréhender l'actualité au-delà des sujets traités dans Magic Attitude. Mais je pense que pour notre média, la revue de presse occupe une place fondamentale. Je pense même qu'elle est parmi les programmes clés de notre chaîne de télévision, le cas des Vision 4 justement. Notre revue de presse est considérée comme le prime à Canal 2. Les gens disent souvent qu'on a créé le prime à 7h30.
Dans les rédactions de la presse écrite, difficile d'ignorer ce facteur. Un partenariat gagnant-gagnant entre confrères. Ceux qui font la revue nous accompagnent parce que d'une façon ou d'une autre, beaucoup de gens vont acheter le journal parce qu'ils ont suivi peut-être la une dans la revue de presse. Les matinées de la CRTV, place à présent à l'actualité telle que vue par les journaux par Essence Matin. C'est l'heure de la revue de presse avec Mathieu Kemgo. Bonjour Mathieu. Bonjour, félicité Désirée. Justement, au quotidien, ce genre journalistique peut contribuer à la notoriété d'un journal. Plus la publication est connue et appréciée, plus les annonceurs s'y bousculent. N'oubliez pas que la revue de presse ici est faite sur les médias qui captivent les plus grandes audiences. Cette revue de presse-là permet de donner un autre écho, de donner un écho supplémentaire au produit journal que nous proposons. Maintenant, le fait qu'on parle d'un journal, qu'on parle de sa une, qu'on annonce les sujets traités, c'est toujours un plus. Ce plus permet donc aux auditeurs et aux téléspectateurs d'être informés. Au fil du temps, le public est fidélisé. Je pense que c'est ça qui fait déjà, qui donne envie même déjà de se rendre dans des box comme ça et pouvoir acheter le journal. Quand on a les grands titres, très tôt le matin, en journée, on court et on se procure un journal. La revue de presse est utile, ça nous apprend. Ça nous donne aussi de la morale de ce qui se passe dans le pays. Les distributeurs y trouvent aussi leur compte. Philippe Kamga en fait partie depuis une trentaine d'années. Ce qui se passe un peu sur le marché, c'est que quand un client voit par exemple le messager, la revue du messager ou bien de l'expression en journée, il demande ça avant tout autre journal. Il demande d'abord ça. On va donc parler de cette lutte contre Boko Haram qui fait des morts du côté de l'extrême nord. Mais ce visage séduisant de la revue de presse ne fait pas toujours l'unanimité. Le messager ce matin parle de lutte contre la corruption. Pour les critiques, cela s'apparente à un fourre-tout, un melting pot d'informations. Mélange de sujets sans logique, absence de transition originale, la pratique semble s'écarter de la norme. Pour y voir clair, direction l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, et de la communication. Pour un tas habitant, enseignant, il est temps de mettre fin à ce qu'il appelle de la lecture télévisée et radiophonique des journaux. Voici sa définition de la véritable revue de presse. C'est un article, si on voit du point de vue journalistique, qui porte sur l'actualité ce que la presse a dit. Maintenant, dès que si on prend cette définition générale, on va maintenant, il y aura des revues de presse pour la presse quotidienne. Il y aura une revue de presse pour la presse magazine, il y aura une revue de presse pour toutes les autres formes de presse. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile de faire une revue de presse générale, c'est-à-dire où vous parlez de la presse quotidienne, de la presse magazine, de la presse internationale et tout. Donc il faut savoir quelle est la revue de quel type de presse vous êtes en train de faire dans le cadre de la revue. D'après lui, informer brièvement, alerter sur des sujets, donner envie d'aller acheter des journaux, voilà ce que doit viser une revue de presse. Ça ne peut jamais un jour remplacer le fait que vous regardiez vous-même le journal à la télé ou l'écoutiez à la radio. Donc, puisque vous allez prendre quelques aspects, ça n'informe pas vraiment. De plus, citer des journaux à caractère mensonger ou diffamatoire fait partie des critiques. Cette attitude peut coûter cher. On a des accusations, les gens qui vous attendent et qui vous écrivent méchamment et vous attribuent certains sujets traités par la presse. Parfois, on ne retient pas le titre du journal, malheureusement. On retient ce qui est sorti de votre bouche et on vous l'attribue, en bon ou en mauvais. Et parfois, on vous étiquette. Vous sortez de là, vous parcourez votre page Facebook et vous verrez que les gens ont considéré qu'on vous a acheté. Il y a quelqu'un qui m'a rencontré à la présidence de la République. On s'est rencontré dans l'ascenseur. Il me dit... Vous et moi, ici à l'ascenseur, vous me connaissez? Je dis non. Il dit, mais vous parlez de moi tous les jours. Je dis, mais vous ne connaissez pas? Il dit, oui, quand vous parlez de moi dans les journaux le matin, vous savez que vous allez me rencontrer. Il dit, mais moi, je fais le travail, je relais le travail des autres. Il dit que non, vous êtes leurs amis. Vraiment, il était dans tous ses états. Je lui ai dit que non,
Je fais la revue de presse. C'est un genre journalistique. Il y a aussi des cas où la revue de presse devient une revue de commentaires sans fin, au risque de dénaturer le contenu des articles. Moi, il m'est arrivé journaliste qu'on parle de mon article à la revue de presse et je me demande si c'est moi qui l'ai écrit. C'est tout autre chose. On annonce votre article, on l'analyse, on vous dit... Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est dans mon texte? Parfois, j'ai cru que mon texte a été changé et que je cours, je prends mon journal, je lis mon texte, je me rends compte que non. Constat assumé par les mises en cause. Leur justification, il faut développer l'approche commentaire pour permettre aux populations privées de journaux d'être à la page. Vous avez des régions dans ce pays qui ne verront jamais arriver un journal. Sauf si une page a quand même voyagé dans un vieux car, on a même peut-être emballé du pain avec, il y a quand même un article qui est arrivé. Il y a beaucoup de zones comme ça qui sont totalement coupées de la distribution régulière de la presse. Encore qu'au Cameroun, vous avez Douala, Yaoundé, dans une certaine mesure Bafoussam dans l'après-midi et beaucoup d'autres villes attendent le lendemain pour avoir un quotidien. Mais c'est un argument qui a ses limites. Qui a ses limites pour la simple et bonne raison que ces médias-là ont leur tranche d'information. C'est-à-dire, si une chaîne de télévision est reçue à Ngele Menduka, si une radio est reçue à Garigombo ou alors à Touboro ou je ne sais où, mais il y a des tranches d'information pour ces médias-là. Si tu entres tout de suite et tu commandes le bras de fer persiste et machin, tu ouvres signature, tu montres tous les trucs, les gens voient et les titres et les photos et tout ce qu'il y a dedans. Vous voulez qu'il aille encore acheter le journal? Acheter un journal n'est pas le geste le mieux partagé au Cameroun. Faible pouvoir d'achat et manque de culture de la lecture en sont les causes évoquées. Et quand une revue de presse se montre un peu trop généreuse en commentaires, les gérants de kiosques en sortent perdants. Nous encourageons la revue de presse, mais ils doivent présenter des titres, ils ne doivent pas décortiquer. Alors, comment réparer les dégâts? Les spécialistes proposent un remède, la formation initiale et en continu des journalistes. Bien, revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire faire une revue de presse. Pour faire une revue de presse, n'empêche, il y a certaines télévisions au Cameroun qui le font, c'est-à-dire vous pouvez faire une revue de presse commentée, c'est-à-dire vous appelez quelqu'un et à chaque fois que vous avez un sujet, vous dites d'abord ce que la presse a dit et puis, bon, la personne peut maintenant donner un avis. La revue de presse à la camerounaise, c'est donc un genre dynamique et rempli de polémiques. Informations fraîches et exclusives, promotions et nominations, ils cristallisent toutes les attentions en milieu de journée. Le journal parlé de 13h sur le poste national de la CERTV est depuis plusieurs années un rendez-vous important. Quelles sont les étapes de sa préparation au quotidien? Immersion au cœur du 13h, c'est un reportage exclusif d'Alexandra Tulleux et de Brice Fotso. Madame, Monsieur, merci de conserver votre confiance au poste national de la CRTV. C'est l'heure du journal. Le 13h, une présentation de Valérie Sébé. Le rendez-vous de l'information, des nominations, des destitutions aussi. Après plusieurs décennies, le 13h du poste national de la CRTV reste incontournable. Normal, c'est une des grandes messes de l'information. Nous avons arpenté les couloirs de ce poste national pour découvrir les petites mains, tutoyer la grande technologie et capter les challenges quotidiens de ce rendez-vous. Il est 7 heures. Le rédacteur en chef se fait le devoir d'arriver aux aurores. Chez nous, le journal parler de 13 heures est spécial parce que chaque chef de service doit proposer un dossier pour le 13 heures. Et le rédacteur en chef fait des arbitrages. Vous savez que la CRTV a une éditoriale un peu... pas particulière, chaque média a sa ligne éditoriale,
notre ligne éditoriale consiste à promouvoir les actions et activités gouvernementales. Pendant ce temps, les chefs de service préparent eux aussi les sujets à proposer en réunion. À Chounienti, le chef de service politique intérieur et extérieur s'y met depuis la veille avec son équipe. Il y a entre 10 et 12 reporters assignés dans le service politique. À deux portes de lui, Valérie et Sébé s'affairent également sur son menu. Elle chapeaute le service société en même temps qu'elle présente le journal pour cette période. Donc j'arrive, je m'assure qu'il n'y a pas de, que l'actualité n'a pas évolué, j'actualise. Je vais à la conférence de rédaction à 9h, on débat des sujets qu'on retient. Et après la conférence de rédaction, je commence à préparer le journal proprement dit. Oui, bonjour Michel. Je t'ai entendu ce matin avec l'invité sur le bilinguisme. Là. C'est toi qui gères ça. Il est 8h. Direction la salle de réunion pour la conférence éditoriale. D'abord, évaluation de la semaine écoulée. On a félicité le chef de service politique pour nous avoir proposé 5 dossiers. Malheureusement, il s'est trouvé que vendredi, il y a un très gros incident, est survenu à l'antenne. Le dossier de vendredi n'a pas été produit. Des couacs pour lesquels des sanctions vont tomber. Et puis, un responsable met les pieds dans le plat. Nous, les responsables, nous on n'écoute pas les journaux. Et ce n'est pas bien. Bon, les amis, vous pouvez disposer. Non, là, c'est la cuisine vraiment interne. Nous sommes invités à sortir. 30 minutes plus tard, réouverture des portes. C'est la grande conférence de rédaction avec tous les reporters. Le journal de vendredi, c'était une catastrophe. Le journal de 13 heures. Faisons un effort pour ne pas reproduire le même scénario aujourd'hui. Parce que le DG nous a, il a, comment on dit au quartier, il a notre quoi ? Macabou, depuis vendredi, il faut faire très attention. S'il vous plaît, c'est ici. C'est aussi le moment de remettre les points sur les i. Ça fait 2 demandes d'explication pour toi et tu arrêtes. Un journal qui dit qu'il n'a pas trouvé d'angle, tu es normal, tu es sérieux? Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'angle. Monsieur, vous n'avez plus droit à la parole. Est-ce que tu sais que c'est un motif de licenciement? Dire qu'il n'y a pas d'angle. Vous vous amusez un peu trop. Il faut que ça s'arrête. Il est 9h30. Les reporters doivent filer sur le terrain. Ce matin, nous suivons des reporters du service politique. Elles dressent une évaluation des inscriptions sur les listes électorales. On a lancé la campagne, ça fait un mois. On voudrait donc savoir un mois jour pour jour. Est-ce qu'il y a l'engouement? Quelles sont les nouvelles dispositions que les CAMA ont mises sur place pour inciter les Camerounais à venir s'inscrire sur les listes électorales? Le journal de 13 heures a cette particularité que c'est un journal très stressant. Vous avez vu à quelle heure la conférence de rédaction est finie. Et maintenant, nous sommes sur le terrain. Ah ouais, ne quittez pas, elle veut vous parler. Bonjour, bonjour monsieur le délégué. Excusez-moi, c'est madame Gonon, Julienne Paul de la CRTV. Je ne sais donc pas, on peut vous retrouver là où vous êtes ou bien, parce que c'est pour le journal de 13 heures. En un quart d'heure, elles ont bouclé leur collecte. L'essentiel est dans la boîte. Quand on est sur le terrain, on ne perd pas le temps. Nous sommes à 2h10 du journal. Avant de monter son reportage, Julienne Paul Ngono rend compte de sa collecte à la présentatrice. Il
Elle prépare déjà les titres du journal et hésite à choisir ce sujet. Soit. La reporter doit poser la voix et monter ses éléments sonores au plus vite. C'est ici qu'on va transférer nos éléments. Vous voyez comment j'ai mon appareil. Donc on va transférer les éléments pour mettre dans l'ordinateur, pour les mettre dans le circuit. Comme ça, je vais aller de l'autre côté, je vais commencer à monter les éléments avant d'écrire le papier. Le temps est compté, le stress commence à se ressentir. Nous la laissons travailler. Il est 11h44. Mais je vois juste un son ici, là. La présentatrice commence à se rassurer de ce que tous les reporters ont de la matière. À 12h, elle va donner les titres à l'antenne, comme à l'accoutumée. Agnès, c'est bon? Dans ce studio, j'accueille Valérie SCB. Valérie, bonjour. Bonjour, Armand. Oh, il est 13h dans une heure. Les titres du 13h, c'est tout de suite. Valérie SCB. Bonjour, le menu du 13h, how bilingual are you? À suivre également dans le 13h, le point des inscriptions sur les listes électorales, un mois après l'ouverture des fichiers pour l'année 2017. Je vous retrouve à 13h pour le développement de ces titres et d'autres aspects de l'actualité. La pression n'est pas totalement retombée. Le menu annoncé doit absolument être complet. Je repars dans mon laboratoire. Revoilà notre reporter, en route pour se faire enregistrer. 5, 4, 3, 2, 1, 0, papier, papier, papier. Pour être sûre de n'avoir rien oublié, elle écoute et réécoute son reportage. Impossible de la perturber. Chef d'agence départementale et des camps pour le fond. Cette année, nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'engouement auprès des électeurs. Dans cette salle, les reporters bouclent leur sujet. Le réalisateur aussi veille à ce que tout soit dans l'ordre. Là, nous sommes en train de réécouter les papiers qui sont déjà là, que les collègues ont déjà enregistrés. Question de déceler quelques erreurs qui pourraient se glisser. Je l'ai appelé tout à l'heure. Il n'a pas pris le téléphone. Je lui ai fait. Nous sommes à 15 minutes du journal. À chaque niveau, on veille. Le rédacteur en chef surtout. On a déjà un chapeau ici. On va te prendre au téléphone. Tu as compris? Je dis que c'est toi qui ouvre le journal. À 5 minutes du rendez-vous, on essaie de gérer le stress comme on peut. Nous sommes à 3 minutes du journal. Direction le studio. Madame, Monsieur, merci de conserver votre confiance au poste national de la CRTV. C'est l'heure du journal. Le 13h, une présentation de Valérie SCB. Bonjour, la une de votre édition du 13h. How bilingual are you? L'anglais et le français en tronc commun. Trois titres sont finalement retenus. En ouverture, le reporter sur le terrain fera un direct. Didier Marius et Tundi est en direct. Bonjour Didier Marius. La dama, ouais, on a finalement pris quel papier? Le gouverneur ou bien? Non, la journée, le lendemain de la journée de la lèpre. Okay. Parce que ce sera plus dur. La pression n'arrête pas pour la présentatrice qui réécrit certains lancements jusqu'à la dernière minute et s'accorde avec la régie. Joseph, tu relèves, j'accueille Mireille et je conclue. Il n'y a plus le temps pour appeler les titres. En fin de journal, le rituel du 13h, un condensé des infos en langue anglaise. Now it's time for the summary of the news in the English language with Mireille Lambeau. Good afternoon, Mireille. Bonjour, Valérie. Bonjour, mesdames, messieurs. The National Week of Bilingualism has been launched today in Yaoundé with a call.
Les détails, Valérie, sur toutes ces nouvelles à 15h en langue anglaise, bien sûr. Thank you, Mireille. We take the appointment. Le générique de cette édition du 13h, Samuel Désiré Ayan, Joseph Bormis, Valérie Essévé à la présentation. Restez sur la CRTV. J'avoue que la pression tombe. La pression tombe complètement, même si la vraie pression, c'est au début quand on lance le journal, mais au fur et à mesure, la pression tombe. Et puis, avec l'habitude, ça va. De son côté, le rédacteur en chef semble satisfait du résultat final. Bon, après 13h30, on peut dire ouf, surtout qu'il n'y a pas eu d'appel de la part de la hiérarchie, de la CRTV ou même du gouvernement pour se plaindre dans quoi qui se serait glissé dans la production et la présentation de cette édition du journal de 13h. Et voilà, le 13h du poste national de la CRTV n'a plus aucun secret pour vous. J'ai un petit budget, mais d'offrir du piano. Aman Mana, un nom de référence dans le monde de la presse au Cameroun et une grande renommée acquise au fil des années. De Cameroun Tribune à Le Jour, en passant par Mutation, vie privée et vie professionnelle, coup de cœur et coup de gueule, rêve d'enfant et souvenirs tristes ou joyeux, ambition et projection, le DP nous a tout dit. Une journée avec Aman Mana, c'est le gros plan signé Alexandra Tuileux et Brice Fotso. C'est un habitué des challenges, des départs aussi. Il est coutumier des projets éditoriaux dérangeants, différents, mais toujours porteurs de sens pour lire et comprendre le monde. Il n'est pas très bon à l'oral, il l'assume. Mais il excelle à l'écrit. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il s'est imposé comme une référence nationale et internationale dans l'univers médiatique. En une journée, Aman Mana nous a laissé pénétrer son intimité, ses projets, ses défis, ses amours quotidiennes. Il nous avait donné rendez-vous à 6h du matin. Là, il est parti plus tôt pour son activité sportive habituelle. Alors, pour le retrouver... Au golf. On arrive. On arrive donc au golf. Il faut qu'on aille. C'est ici que chaque matin, il opère sa cure de jouvence avant de commencer la journée. Chaque matin, tous les jours. Je dois faire du sport. Quelqu'un doit faire du sport quand même. Quelqu'un doit faire du sport pour... On doit faire du sport pour avoir un peu de forme quand même. Dépeint comme une personne qui s'est éloignée de ses amours primaires pour le sport, et notamment le football, Aman Mana assume complètement ses nouveaux choix de vie, notamment pour cette discipline qu'il pratique depuis 2008. Et si je veux jouer au golf, je fais comment ? Je ne joue pas au golf parce que je veux faire semblant d'être proche de qui ou de quoi. Non. Le côté élitiste, non. J'aime bien le foot, hein, la preuve, je regarde le foot le dimanche quand les Lions jouent. Seulement quand les Lions jouent et quand Bambuto. Oui, quand Bambuto, c'est Mbouda joue. C'est tout. Mais c'est mon équipe. C'est mon équipe que j'aime, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va mettre ? La pitch est too much. Hein? C'est le gap. Les 100 mètres sont où? Là, ok. Moi, je pense que c'est le gap. Ah! Si ça rentrait à tous les coups, on n'en serait pas là. Hein? Après 2h30 de golf pour ce matin, il doit au plus vite se préparer pour une réunion au bureau.
malgré ses activités multiples, ce père de quatre filles trouve du temps à consacrer à sa famille. Le matin, je pars avec tout le monde, parce que le matin, je dépose d'abord les... Je dépose les enfants, les... je dépose les filles à l'école. Mais on part tôt, hein. Difficile pour lui toutefois de qualifier le père qu'il est. Je vais vous donner un journal qu'elles ont fait à l'occasion de mes 50 ans, vous allez voir. Promesse tenue. C'est un homme en or, lui ont-elles rappelé à l'occasion de ses 50 ans. Plus important que la famille, c'est l'oxygène de notre main, frangin. Léa, quoi de plus important que la famille? C'est dans cette maison qu'ils se sont bâtis cette complicité familiale. Les plus grandes ont pris leur envol. Lui poursuit le sien à travers ses projets. C'est le moment d'aller au siège du quotidien Le Jour qu'il dirige depuis 2007. Son bébé, son œuvre. Ce matin, il doit d'abord faire le bilan des ventes des journaux avec son équipe. Est-ce que vous avez actualisé de manière à ce que vous pouvez savoir quelle est la situation de chaque abonné? Nous n'en profitons qu'un bref moment. Ça va discuter finance. Après une heure et demie de réunion, il s'ouvre enfin. Plus petit, Magloire Pépin, oui, ce sont ses prénoms, entame ses études par l'école primaire sans passer par la maternelle. Une époque dont il garde un souvenir plaisant. Ma mère enseignait le cours préparatoire. Donc, elle m'a mis tout simplement dans la classe d'à côté, c'est tout. J'avais un handicap sérieux parce que j'écrivais mal. Ouais, donc je ne savais pas graphier, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je n'écris pas, je ne savais pas former les lettres. L'ordinateur est venu me sauver la mise. Déjà à cette période, il s'imaginait tout sauf ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mon tout premier rêve, vraiment d'enfant, de tout petit enfant, c'était d'être chauffeur de camion. Avec toujours des histoires à raconter, des histoires où ils sont arrivés à tel endroit. Je trouvais que c'était un métier très aventureux. Donc c'était mon premier truc, quoi. J'avais envie d'être un chauffeur de camion. J'avais un autre type de rêve, c'était d'être militaire. Bon, mais ça, c'était une forme d'auto-identification par rapport à mon père. Vers 18 ans, c'était vraiment clair, je voulais être enseignant. Et je voulais être enseignant prof d'histoire. Après un séjour enrichissant, mais bref, en faculté d'histoire, sans être un grand passionné, sans savoir ce qu'il y attendait, il s'est finalement tourné vers le journalisme. Nous sommes en 1986. Je pense qu'il y a eu un petit effet d'entraînement quand même. Avec plein de copains, c'était dans l'air du temps. Oh, on est allé faire le concours d'entrée à l'école de journalisme. Vraiment, moi, c'était sans grande conviction. Sur les bancs de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information, il sera très vite séduit par un enseignant, par son style, par son charisme et par sa méthode. Il s'agit de Paul Célestin d'MBMB. Pour que vous ayez l'envie et la passion, il faut que quelqu'un vous transmette ça. Et vous transmette ça au sens tactile du terme. Vous voyez? Il faut que quelqu'un vous touche. Il faut que quelqu'un vous touche votre main pour vous transmettre quelque chose qu'il a. Et quand quelqu'un a la flamme, il peut la transmettre. Il y a des journalistes, il y a des anciens journalistes qui n'ont pas la flamme. Ils ne peuvent rien transmettre. Celui-là avait quelque chose. Je pense qu'il a quelque chose et qu'il a pu transmettre. Finalement, il va se découvrir un grand amour pour la presse écrite qu'il ne quittera d'ailleurs plus. En allant au journalisme, je ne considérais pas, je ne voyais pas, je n'envisageais pas, je ne percevais pas le journalisme autrement que quelque chose d'écrit. Puis commence sa vie de journaliste professionnel. Après un bref séjour au ministère de la Communication où il est affecté comme les diplômés de l'ESTI à cette époque-là, il sera recruté à Cameroun Tribune. À la demande de Paul Célestin d'MBMB, qui était directeur de la rédaction, donc il avait voulu garder quelques stagiaires par rapport, je suppose, à leur qualité. Et j'en faisais partie. Au mois d'avril 1989, il est affecté au service société du journal. 5 ans plus tard, Hamad Mana décide de mettre la clé sous le paillasson. Travailler à Cameroun Tribune ne lui convenait plus.
Le Cameroun vit des heures graves à ce moment-là quand même. Hein? Et pendant ces heures-là quand même, la rédaction de Cameroun Tribune est divisée idéologiquement. Je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun doit avancer autrement, évoluer autrement. Quand je sors de Cameroun Tribune, je m'en vais m'installer au Messager, où je travaille tranquillement auprès de M. Ndiaye. M. Ndiaye me fait d'ailleurs très rapidement confiance. Il me fait très rapidement confiance, comme il était tout le temps parti. Il me fait une confiance inouïe parce que je suis vraiment tout jeune. Et il me donne les clés de la maison quoi, quand il s'en va. Il y passera 8 mois et à nouveau quittera ce journal. Ce sera pour retourner sur les bancs de l'école afin de décrocher un diplôme d'études supérieures en santé et environnement. De cette formation naîtra l'envie pour Haman Mana de porter son premier projet éditorial, une publication spécialisée sur l'environnement et la santé. Ozone, c'est mon bébé d'abord. Et c'est né de cette envie-là de transformer en choses concrètes ce que j'ai appris. Et puis, viendra à lui un autre projet. Haman Mana est sollicité pour un journal qui se met sur pied et il ne dira pas non. On est venu me chercher pour faire Mutation. J'étais le capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que... il y avait des gens qui avaient une idée et ils avaient besoin de quelqu'un pour porter le projet. Et on est venu me chercher compte tenu de mon passé dans la presse. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, j'avais 28 ans, mais j'avais déjà travaillé 7 ans dans la presse, quoi. Pour les jeunes qu'on était, comme je voulais souvent dire aux gens, je disais toujours, c'est une entreprise de prise en main de notre destin professionnel. C'est ce que je leur disais toujours, que nous prenons en main notre destin professionnel. Et ceci dit, ce que nous allons faire va nous déterminer pour la vie. Nous allons tracer notre ligne professionnelle dans ce pays avec ça. Et les choses se sont passées exactement comme... je pense que, comme je le prédisais, parce que la plupart des gens qui sont passés par Mutation à cette époque-là, en garde, enfin, ça a été leur tremplin. La jeune équipe de Mutation en 1996 avait l'ambition d'offrir la presse autrement, de marquer le journalisme d'une nouvelle empreinte. On a essayé de se rapprocher du pari qu'on avait pour faire, comme je disais, comme on disait à l'époque, un journal vif dans le ton, sérieux dans la tenue, culturel dans la vision, iconoclaste dans les positions. On avait presque réussi. On avait réussi presque ça. La preuve, les choses ont marché très bien toutes seules. Et puis, du petit hebdomadaire qu'on voulait être, qu'on ambitionnait d'être, on est devenu un quotidien. Puis après, du quotidien, sont nés d'autres choses, mensuelles. C'est devenu autre chose, ce que certaines personnes appellent un groupe de presse, le premier groupe de presse d'Afrique centrale. Assez vite, il y a eu quelques défections au sein de la jeune équipe dynamique et pleine d'engouement, ce qui n'a pas entamé la prospérité de Mutation. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont venus à Mutation, tout simplement parce que ils cherchaient un homme. Parce que leur ambition finale, c'était de partir à la CRTV. Parce que peut-être ils trouvaient la CRTV plus prestigieuse, parce que peut-être ils trouvaient la CRTV plus valorisante. Mais je veux dire qu'en tant que manager à Mutation, j'ai corrigé ce qui me semblait être le problème des premiers départs. Les premiers départs étaient peut-être dus à ce qu'ils considéraient comme la précarité de l'emploi. J'ai réajusté les salaires. Donc au moment où je m'en vais, au moment où je quitte le bateau, un journaliste de Mutation n'a rien à... n'a envie, un journaliste de la CRTV, bulletin de salaire en main, bulletin de paie en main. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. De cette aventure, Haman Mana garde encore quelques moments forts. Nous avons réussi à semer dans le paysage médiatique camerounais, à montrer que des gens, des privés, pouvaient faire un quotidien. Habitué des départs, il claque à nouveau la porte de Mutation. Nous sommes le 17 juin 2007. Les rapports sont devenus exécrables avec Protais Ayangma, le président-directeur général de la South Media Corporation, qui édite Mutation. Je vais dire ça très simplement.
Je pense que vous avez besoin d'air. Hein? Je pense que les gens qui étaient autour de moi aussi avaient besoin d'air. Hein? Et dans ce besoin d'air-là, on n'a pas su tranquillement se séparer. Je pense qu'il y a eu une volonté d'humiliation de la part de certaines personnes. De mon côté aussi, je pense que je ne suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait, et bien ce qu'il fait. Je n'avais plus envie d'être avec eux. Ils n'avaient plus envie d'être avec moi. C'était simple. Mais moi, personnellement, je n'avais plus envie d'être avec eux. Vraiment, je ne voulais plus. Je voulais de l'air autour de moi. Je voulais plus. Son ami, le journaliste Alain Blaise Batonguel, a remplacé à la tête de Mutation. C'est les mêmes rapports. C'est les mêmes rapports de fraternité. Mais avec Protea Yarma, le PDG de l'entreprise, son ancien patron... Nous n'avons pas de rapport. Aucun. 10 ans plus tard. Oui, bien sûr. Et donc, je présume que... je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Hein. Ce mec-là et moi, on n'a plus rien à nous dire. Si vous voulez poser la question, il va vous dire, oui, ce garçon, lui et moi, on n'a plus rien à se dire. Je pense qu'on n'a rien à se dire. Plus rien, vraiment. Deux mois plus tard, Haman Mana est passé à autre chose, par fierté et par envie de vivre, avec une partie de l'équipe de Mutation qui l'a suivi. Le jour a vu le jour, le 17 septembre 2007. Un projet de survie, c'est la seule chose que je sache faire, faire des journaux. Hein? Je viens de me faire virer d'un journal, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre journal. L'homme des départs et des défis s'est découvert une autre passion, celle du livre. Il crée ainsi les éditions du Chabel, maison dont il n'est pas peu fier des réalisations et qui continue de l'exalter. Son regard sur la profession est celle du manager, mais aussi celle de l'enseignant qu'il a été pour certains journalistes. Combien de personnes, comme de journalistes, pensent encore qu'ils doivent privilégier l'originalité dans leurs affaires? Il faut continuer. Moi, je vis ici, j'ai toujours mon manuel de journalisme. J'ai toujours mon manuel de journalisme sur ma table. Avec mon dictionnaire, ils sont là, à ma droite, toujours. Qu'est-ce qu'un écho? Qu'est-ce qu'un reportage? Je reviens toujours pour regarder. Enfin, lui, c'est la personne qui prend la vie comme elle vient chaque matin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand j'ai bouclé mon pain de la journée, j'ai bouclé, c'est bon là. On va voir demain. De ce qu'il a été, il ne regrette rien. De ce qu'il veut faire, il n'a pas de certitude. Mais une chose est sûre, Haman Mana trace son sillon dans la presse camerounaise et il laisse à coup sûr son empreinte. Merci. Comme cette jeune fille, ils sont nombreux à surfer sur leur téléphone et leur tablette sans toutefois savoir d'où vient le contenu auquel ils ont accès. Comme à chaque numéro de Travelling, nous allons à la rencontre d'un métier du monde des médias. Focus aujourd'hui sur celui de rédacteur web. Qui, quand, quoi, comment et où? C'est les 5 Q. Un clic, quelques mots et vous voilà informé. De plus en plus, vous êtes nombreux à choisir la toile comme moyen d'information privilégié. Mais seulement, savez-vous qu'un rédacteur web s'active au quotidien pour cela? En avez-vous déjà entendu parler? Je ne suis pas au courant de ça. Hein. Je n'ai pas encore entendu les journalistes de web. Je ne suis pas fan d'Internet. Le rédacteur web, c'est un artiste. C'est quelqu'un, en fait, qui collecte les informations et qui met cela à la disposition des internautes. Réponse exacte, mais juste en partie. En réalité, un rédacteur web est un journaliste comme les autres.
Seule différence, sa tribune d'expression qui est le web. Sylvestre Kamga est justement un rédacteur web. Il a en service à Journal du Cameroun. Un rédacteur web, c'est quelqu'un qui utilise le web pour transmettre une information. C'est d'abord un journaliste, mais qui informe les autres via le web. Journaliste certes, mais contrairement aux acteurs des médias traditionnels, les journées du rédacteur web ne commencent pas toujours par une conférence de rédaction. J'arrive le matin, j'allume mon ordinateur, je mets les informations à jour toute la journée, je rédige d'autres articles en fonction de l'actualité que je publie. Cependant, le quotidien d'un rédacteur web n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Le plus gros problème, c'est le problème de connexion. Il y a aussi de temps en temps les coupures de courant. On a aussi beaucoup de problèmes en ce qui concerne les sources d'information. Spontanéité, réactivité, vivacité, voilà des qualités essentielles à développer pour être un bon rédacteur web. Et si on y met de la passion, on est certain de mieux traiter les images, trouver des titres captivants pour enfin générer des newsletters attractives. La newsletter, justement, voilà un mot important dans le langage des rédacteurs web. Savez-vous de quoi il s'agit? Une newsletter, c'est un site d'information du pays, par exemple, comme ce qui se passe à Koutaba. Si j'ai besoin de connaître plus d'informations, je mets le TV News. Une newsletter, pour moi, c'est une lettre d'information. Mais je crois que c'est une personne qui fait dans les news, puisqu'on dit newsletter. De l'avis de l'expert, la newsletter est, comme son nom l'indique, c'est une lettre d'information qu'on envoie peut-être par jour, par mois, par semaine aux abonnés avec les principales informations. En ce moment, la formation des rédacteurs web essaie encore de se frayer un chemin dans les écoles de formation professionnelle au Cameroun, offrant ainsi des opportunités d'apprentissage aux candidats désireux d'informer via la toile. De quoi susciter des vocations promptes à nous faire cliquer et liker à l'infini. Nous espérons qu'après ce reportage de Stedum, vous en savez plus sur le métier de rédacteur web. Place maintenant aux moments les plus inédits de la radio et de la télévision camerounaise. C'est le zapping. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Le dans la sauce, ce n'est pas le dans la sauce de la chanteuse Rémix, même si ça y est lié. On ne connaît pas. On va y arriver. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. Je ne trouve pas de mal à ce qu'un homme politique prenne pour son compte des fragments de phrases populaires ou popularisées. Il y a plus coup d'Afrique, on ne peut plus respirer. Tu passes ici, Lyon indomptable. Tu passes ici, on a mis dans la sauce. Mais votre sauce, là, on est venu préparer, c'est vous ici. Mais en attendant, vous êtes bien dans la sauce. Vous leur avez fait cela un cadeau. Mais quelle école, 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 mais quelle école pour les jeunes de la nation. Salut! Salut! Comment tu t'appelles? Kenga Michel. La première question que je voulais, pourquoi le choix du reggae et du look Rastafari particulièrement? Toujours ce type de questions sur les plateaux. Et c'est ce type de questions justement qui fasse qu'on se retrouve toujours en train d'expliquer les mêmes choses. On voit bien que vous êtes un journaliste, animateur qui ne s'informe pas beaucoup. Comment appelle-t-on un habitant du Bangladesh? Bangaman. Tu veux conduire l'émission à ma place aussi? Non, je ne suis pas en train de conduire l'émission à ta place. Je suis en train de te montrer comment tu conduis l'information. Et c'est que la façon dont cette information est conduite fait que le public là-bas derrière, il n'y a pas d'émancipation. Pardon? Un Bangladesh man. Un
Un quoi? Un Bangladesh man. Un Bangladesh man. Ya ya ya. Mais quelle école, 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 mais quelle école pour les jeunes de la nation. Petit frère, va te Bangladesh à la maison. Stop, stop, stop. Ce voyage dans le monde des médias s'arrête ici. Merci à nos équipes rédactionnelles, chapeautées par Alexandra Tuileux, et nos équipes techniques, dirigées par Lionel Namet. Un merci spécial à notre choukinou choupette choupitou, Céline Penda. À très bientôt pour un nouveau numéro de Travelling. D'ici là, la télé continue, restez scotchés. Nous entamons notre voyage dans le monde des médias sur un phénomène. Non, en fait, c'est qu'il faut. Dépêchez-vous. Profitez. Je suis calme. Nous espérons qu'après ce reportage de Stedom, vous en savez plus sur le métier de créateur, de rédacteur, de magnificateur, d'impositionneur, de whatever, whatever, web. Je me suis trompée il y a longtemps. Est celui qui fait le focus aujourd'hui. Et puis je me suis trompée de tête. Et puis c'est pas grave. Merci. Encore. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.